Bon, on est en direct sur YouTube, j'espère que vous allez bien. Et on va se retrouver aujourd'hui sur Inazuma Eleven 2, Tempête de Glace les amis. Donc n'hésitez pas à poster des messages pour les premiers qui sont arrivés. Oh là là, j'ai trop hâte Inazuma Eleven 2, ça va être la folie les amis. Ouh, j'ai trop hâte. Ah, j'ai pris Tempête de Glace pour ceux qui m'ont demandé Tempête de Feu. Mais parce que je kiffe Tempête de Glace tout simplement. Putain, ça va être cool les amis. Salut à toi Juju09. Bon, oh les amis, j'ai tellement hâte. Tellement hâte d'Inazuma Eleven 2. J'attends qu'il y ait du monde qui arrive avant qu'on parte. Salut à toi The Wild Dog. Oh là 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 là, Inazuma Eleven 2 Tempête de Glace. J'espère que l'overlay vous fait plaisir, etc. On va bien kiffer sur ce live, je pense. Dites-moi si tout est bon, si son va bien, etc. Et nous, on va peut-être bientôt partir. N'hésitez pas à partager le live aussi. Alors, choisissez un nom. Bah, RUMS, hein. On change pas les classiques. Voilà, j'ai tellement hâte. Salut à toi, Gabriel Insibu. Ce jeu est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnes, des groupes ou des événements réels serait purement fortuite. Les techniques et les entraînements visibles dans le jeu sont imaginaires. N'essayez pas de les reproduire. Bon, on l'a tous reproduit au moins une fois. C'est tout. Bon, ça commence, les amis. Non, pourquoi Tempête de Glace et pas Feu? Parce que je kiffe Tempête de Glace. Ah là là là, j'ai trop hâte. La fameuse explosion de la Hell's Academy. Oui, Glace, c'est mon premier jeu de toute ma vie. Ah, moi c'était Inazuma Eleven 1. Bah, c'était un peu, il y a une cinématique, les gars. Oh là 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 là. Comment te donner plus envie que ça, quoi? Oh là, la nostalgie. Après le 1, on enchaîne sur le 2. Bon, pour l'instant, c'est les dialogues Mark, du jeu. Mark, réveille-toi. Tu recommences l'entraînement aujourd'hui. Tu risques d'être en retard. Mark, je ne te le répéterai pas. Sors de ton lit. Salut à toi, Dardo. Tu ne peux pas rester ici à faire la grasse matinée. Laisse-moi dormir, maman. Bon, Mark, lève-toi. Je suis sûre que tu pensais tellement à ton entraînement hier soir que tu as eu du mal à t'endormir. Allez, habille-toi. Et descends prendre ton petit déjeuner. D'accord, je me lève. Marc, c'est un gros feignant. Attends, quoi? On dirait moi le matin, MDR. J'ai failli oublier. On reprend l'entraînement aujourd'hui. Eh oui, Marc, c'est aujourd'hui qu'on reprend l'entraînement. Et on reprend les lives sur YouTube aujourd'hui, les amis, aussi. Tous les week-ends, live sur Inazuma Eleven 2 Tempête de Glace. Salut à toi, Hugo Evans. J'espère que ça vous hype de ouf. Comment tu vas, Rem? Super, et toi, Hotman? Encore, maman, s'il te plaît. J'avais vraiment hâte de faire ce jeu. Maman, j'ai rêvé de grand-père. Il me donnait plein de conseils. N'abandonne jamais, Mark, même dans l'adversité. Si tu te donnes... Bon, on s'en fout un peu de ses conseils de son grand-père. Hein. Mesure d'affronter n'importe quel adversaire. C'était grand-père tout craché. Mark, arrête de rêvasser. Et dépêche-toi un peu, regarde l'heure qu'il est. Que diront tes amis si le capitaine des nouveaux champions en titre arrive en retard pour l'entraînement, hein? J'ai trop hâte. Bon, on va pas spoiler pour ceux qui connaissent pas le jeu, mais... J'ai tellement hâte, c'est un passage tellement... C'est le jeu, c'est un de mes jeux préférés, Inazuma Eleven. Je file m'entraîner à la rivière. A plus, maman. Tu seras fier de moi, grand-père. Ça y est, je pars à la conquête du monde. On se calme, Mark Evans. Conquête du monde, c'est dans un petit moment déjà. Je préfère YouTube ou Twitch? YouTube, mais j'aime bien live sur Twitch. D'ailleurs, demain, il y a un live sur Twitch, donc n'hésitez pas à me follow sur Twitch, les amis. Sur Pokémon Platine, voilà. Ce garçon est incroyable, c'est à croire qu'il ne vit que pour le football. C'est bien de qui il tient. Ah oui, on le sait, on le sait. D'ailleurs, la mère de Mark, elle ressemble pas du tout à Mark. Je viens de remarquer ça. Salut à toi, Princesse Roy. Je ne t'avais pas vu. Un truc, Evans n'est pas mon vrai nom, mais en rapport, etc. Inazuma. On kiffe tous Mark Evans, t'inquiète pas. Sylvia, est-ce que tu vas... est-ce que ça va? Je ne t'avais pas vu. Oui. Bon, pour l'instant, ils font les voix, on va les laisser. Hein. Tout va bien. Tu sembles impatient, Mark. Bien sûr. J'ai l'impression que ça fait des siècles que je n'ai pas joué avec l'équipe. Mais tu ne serais pas allé t'entraîner tout seul à la tour par hasard? Salut à toi, gros FDP. C'est quoi ce pseudo? Hein? Comment tu sais ça? Oh,
Oh, Sylvia, elle est un peu relou, accouche. Tout le monde doit déjà nous attendre à la rivière. Allons-y. Depuis que Marc la friendzone dans la saison 1. Attends-moi. Désolé pour mon pseudo, c'est mon petit frère. T'inquiète. Alors, les amis, c'est bon. On peut enfin contrôler le jeu. Merde. C'est au moment où je dis ça, tu sais. Salut Marc, prêt à t'entraîner de bonne heure à ce que je vois comme à l'accoutumée. Tu as besoin de faire une pause sélection. Ah, mais ça, on s'en fout. Ça, on passe, hein, les gars. On... Pas besoin de d'avoir un petit tuto chiant, là. Ok, merci à toi, Andy. C'est sympa, c'est sympa. Salut à toi, Adar. S'il y a du monde, ça fait plaisir, en tout cas, les amis. Ouais, pourquoi je fais ça, je sais pas. Peut-être des petits coffres, les amis, j'aimerais bien trouver des coffres. Non, y a pas des coffres, malheureusement. Je sais pas s'ils nous donnent des coffres dès le début de l'aventure, mais je ne pense pas. J'adore quand les voix sont en français. Moi aussi, j'aime bien. À part dans Ares où ils ont modifié les voix, mais sinon, c'était cool. Bon, bah, y'a rien. Allez, go rivière. Je reviens donc, bon live. Merci à toi. Ok, pas de cinématique. Je crois que là c'est une petite réunion de l'équipe. Marc à Sylvia, Nelly, Camélia et Tauris en sont en amoureuse. Ah, il en a beaucoup, Marc. Hein. Ah, un coffre. Bah tiens, on peut en avoir. Ouais, mais c'est de la merde au début, c'est vrai. On n'a pas des trucs de ouf. Marc, t'es en retard. On t'attend depuis des lustres. Alors moi, vous allez voir, pour ceux qui me connaissent pas, j'aime bien faire des petites voix à certains personnages. Notamment Todd, je kiffe. Salut tout le monde, désolé du retard. Je n'arrive pas à croire que le football frontière s'est terminé il y a seulement une semaine. Non, il y a deux semaines, on a terminé, Nathan. Ça m'a paru très long à moi aussi. Il va durer combien de temps le live? 1h30 à peu près. Je pense qu'on aura le temps de faire pas mal de choses quand même. J'espère que tu as profité de ton temps libre pour t'entraîner. Bien sûr, je suis plus rapide que toi maintenant, Nathan. Hey, c'est ce qu'on va voir. Moi aussi, je me suis entraîné tous les jours. Moi aussi. On dirait que tout le monde y a mis du sien. Moi, je me suis concentré sur le renforcement musculaire. Attendez, c'est bien un muscle, l'estomac. Oh putain, mais c'est abusé. Il n'y a aucun respect pour Jack dans ce jeu. Mais où est Axel? Même dans l'animé, tu me diras. Il a dit qu'il allait voir sa petite soeur à l'hôpital et qu'il nous rejoindrait après. Il lui rend visite tous les jours depuis le football frontière s'est achevé. Quel frère attentionné. Je suis amoureux de Célia, c'est grave. Ah, il y a mieux que Célia quand même. Après, c'est un dessin, tu vois, c'est un peu chaud. En vrai. Et sacré Marc. Je suis tellement habitué à l'entraînement intensif que ça ne me fait plus rien. Oui, c'est vrai que le football frontière n'a pas été de tout repos. Ouais, tu l'as dit, je m'en souviens comme si c'était hier. Nous l'avons finalement gagné, ce tournoi. Attention, est-ce que ça va commencer à devenir sérieux? Ou c'est toujours... Ah, une semaine plus tôt, quelques instants après la finale du football frontière. C'est d'améliorer la main céleste de Marc au niveau 3. Ouais, ça sera dans un petit moment, je pense. Nous sommes la meilleure équipe du Japon. Je suis si heureux, c'est comme dans un rêve. Jack, ce n'est pas un rêve, c'est pour de vrai. Et Marc, est-ce que je peux tenir le trophée, moi aussi? Et voilà. Ah, il me semble qu'il va le faire tomber, ce con. Non, c'est pas lui, c'est Jack alors. C'est obligé que ça soit Jack. Waouh, c'est trop bien. Jim, non? Je sens qu'il y en a un qui va la faire tomber, les gars. Et je sens le poids de la victoire. Ah, c'est Jack, c'est obligé. Surtout, ne la fais pas tomber. Oui, ça va, je suis pas stup. Oups. Oh, mais quel trou de balle. Non, mais tu fais exprès, espèce de... Désolé, Kevin. C'est Jack. Ouais, c'est Jack. Tu veux me faire des vidéos sur SD ou pas? Le problème, c'est que je peux pas faire de vidéos sur SD, les gars. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que j'ai pas un téléphone assez puissant et ça fait que ramer. J'aurais vraiment kiffé... donc allez voir des pubs sur YouTube si vraiment vous voulez que je me rachète un téléphone et que je fasse des vidéos dessus, les gars. Je vous oblige pas, mais c'est gratuit, si vous voulez, vous pouvez le faire. Bien joué, grand frère. Merci, Célia. Dire que nous avons commencé à jouer à 7, qui aurait pu imaginer que nous gagnerons la finale du football frontière. En tout cas, pas les gens qui répétaient sans cesse que le club allait fermer. Donc là, ils se rappellent un peu de ce qui s'est passé avant. Je ne vois pas de quoi tu parles. Elle est drôle, Nelly, elle est trop drôle. Est-ce que tu vas essayer d'améliorer toutes tes techniques dès le début, maintenant que c'est le 2? Ah, dès le début, ça va être chaud, hein. Surtout qu'on va se faire défoncer, enfin, sans spoiler, mais... L'instant émotion.
Je savais que je te trouverais ici. Axel, tu as recommencé l'entraînement en solo, à ce que je vois. Ah oui, impossible de nous entraîner ensemble depuis notre victoire. Avec toutes ces interviews et ces séances photos. Marc, il est trop débordé maintenant, c'est une vraie star. Tu veux me faire des vidéos sur Nazma Eleven SD? J'ai déjà répondu à ça. Et faire des vidéos sur Ares. Bah, quand il sortira le jeu, où il n'y a pas de soucis, les amis. Ah, j'attends vraiment beaucoup Ares. Hein. Je n'entendais pas moins de toi, Marc. Écoute, Axel, je voulais te remercier. C'est grâce à toi si nous avons pu gagner ce tournoi, tu sais. En fait, c'est plutôt moi qui devrais te remercier. L'équipe et toi, vous m'avez fait prendre conscience que je ne devais pas abandonner le football. Ah, c'est beau, c'est beau. Je limite lâcher une larme, tu sais. Et la parade après la victoire, c'était pas sans sas. En vrai, Marc et Axel, c'est quand même vachement des membres importants. Toute la ville nous acclamait et voyait en nous le nouvel Inazuma Eleven, c'était un peu bizarre. Oui, il nous reste encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre le niveau des anciens. Oui. On les a défoncés, les anciens, je rappelle. Alors faisons tout pour devenir des légendes, nous aussi. Hein, Axel? On sera le nouvel Inazuma Eleven. On peut y arriver si on se soutient mutuellement. Marc, tu as raison, nous pouvons y arriver. Des vidéos d'arrêt sur les épisodes. Pourquoi pas? Nous sommes partis de rien, mais nous avons quand même réussi à devenir la meilleure équipe du pays. On s'est plutôt bien débrouillé. Notre rêve est devenu réalité. Mais d'après Monsieur Hillman, le reste du monde est rempli d'équipes plus fortes que nous. J'ai hâte de les affronter. Moi aussi, Mark Evans, moi aussi. Ah, retour au moment présent, du coup. Ares sortira sur Android Switch. Android, ça me paraît bizarre. Ares, à mon avis, sortira sur Switch, PS4. C'est tout, je crois. Hein. Peut-être PC, mais Android, ça me paraît bizarre. Tiens, j'ai bien sûr remarqué que Nelly et Célia ne sont pas là. Célia a dit qu'elle allait au local du club pour faire le ménage. Regardez là-bas. Qu'est-ce qu'il a vu, le petit Todd? Ah, une limousine. C'est Nelly, ça. Comme d'habitude. Oh, bonjour Nelly. À ton avis, est-ce qu'il y aura un troisième volet d'après Orion? Je pense pas, franchement, honnêtement, je pense pas. J'espère, mais peut-être des petits épisodes, je sais rien du tout. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Salut à toi, Dami. Bonjour, si je peux vous donner un conseil, ça serait pas trop d'en faire pour ce premier jour d'entraînement. En gros, on va se la couler douce, quoi. J'aimerais qu'aujourd'hui, au moins, vous alliez doucement. Tu plaisantes, Nelly, nous allons donner à fond, comme toujours. Je suis impatient de savoir contre qui on va jouer la prochaine fois. Il y a toujours à rigoler, Sylvie. Hein. Très bien, nous surfons sur la vague du succès et devenons les champions du monde. Je crois pas que tu t'emballes un peu, Marc. Ouf. Hein, vous avez entendu ça? Oui, qu'est-ce que c'était? Regardez là-haut. Ah là 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 là. Au début, on sait pas ce que c'est ça. Quand on voit ça, on se dit c'est quoi? Est-ce que c'est une étoile filante? En plein jour, ça m'étonnerait. Il a l'esprit lucide, Kevin, c'est bien. Oui, en plus, c'est trop sombre pour être une étoile. Vous n'avez pas l'impression que ça se rapproche? Et ça vient tout droit sur nous, regardez! Ah! Ouf! Waouh! Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est tombé de ce côté-là, pas très loin de... Oh non, le collège Raymond! Non, ce n'est pas possible! Et Célia, elle est au collège! Quoi? Oh, Célia. Allez, Judy, il commence à paniquer, là. Il s'en bat les couilles pour le collège, hein, en vrai, mais pour sa sœur, ça va. Pendant ce temps-là, à l'hôpital près du collège Raymond. En vrai, ça serait tombé sur notre collège, moi, j'aurais été en mode... J'aurais été refait, en vrai. Ouais, plus de collège, JNL. Pas de cours pendant 3 mois, tu sais. Oh, maman, émotion, les amis. Je suis là, Julia. Ah, je kiffe trop Axel. Axel, c'est un de mes joueurs préférés. Ah là là, c'est trop beau, c'est trop mignon. Oh là là, trop d'émotion dans ce début d'épisode. Fallait voir le Twitter de Inazuma Eleva France. Jude, quel bon grand frère. Carrément, même Axel. Merde, j'ai pas vu le follow, désolé. Sorry. Julia. Je regarderai après, deux jours.
Ok. Merde, j'ai pas vu le follow. Merci à toi, celui qui a follow. C'est moi, Axel. Tu m'entends? Je sais pas pourquoi d'ailleurs, les amis. Bon, c'est étrange, je sais pas pourquoi. J'ai peut-être. Attendez, juste pour voir les follow. Axel ou Sean? Comment ça, Axel ou Sean? Préférence, Axel. Bon, je vais peut-être me faire détester par certains d'entre vous, mais voilà, je préfère Axel Blaze que Sean Frost. Hein. Clairement. C'est une, je vais juste voir pour les. Pour ceux qui follow. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'arrive pas à voir, les amis. Bon. On va essayer de pas trop faire bugger le jeu. Désolé hein, si j'arrive pas à voir le follow. Je réglerai ça. Oui. Oui. J'ai réussi, Julia. Nous avons gagné. Nous sommes la meilleure équipe du Japon. On va lâcher une larme. J'ai entendu ta voix. Hein? Tu as toujours été là pour moi, Axel. Merci. Docteur. Je me suis à bout. Ok, bah merci à toi, Adar. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible, ouais. Je sais pas si on avait déjà vu cette scène dans Inazuma Eleven 1. J'ai repris connaissance. C'est un véritable miracle. Alors, Julia va. Gros, la voix du médecin, c'est un caviar, c'est une pépite. Je pense qu'elle sera bientôt rétablie. Tu n'as plus à t'inquiéter pour elle. Merci. Merci beaucoup, docteur. Julia, je suis si soulagée. Oh là là, ça commence à chauffer là, tout explose. Hein. Ce bruit, qu'est-ce que c'était? Aïe. Pour ceux qui auront vu ma vidéo sur Axel Blaze, ils sauront ce qui va se passer ici. Aïe aïe aïe, pauvre Axel. On le sent mal, le pauvre. Qu'est-ce que c'était? Aller au collège. On va y aller tout de suite. Moi, c'est Sean qui a sa personnalité est exceptionnelle. Ah mais j'aime bien Sean, j'ai pas dit que je l'aimais pas, mais je préfère quand même Axel. Célia, que se passe-t-il? Regarde. Oh, cinématique encore, ils nous font plaisir. Oh non. Notre collège, il est en ruine. Mais que s'est-il passé? Eh ouais, il est en ruine les amis. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Salut à toi, Sans Inazuma, t'arrives au bon moment. Ah, c'est parti. Là, ça commence. Chapitre 1. Raymond en ruine. Eh ben, il reste plus rien du collège Raymond. Hein. Le massacre, quoi. Ils sortent d'où, ceux-là? Je crois pas quand j'ai vu cette scène avec Axel. Rémi, penses-tu qu'il y aura une saison d'adieu, c'est-à-dire une saison ultime avec tous les meilleurs personnages et etc. Je sais pas, franchement, j'espère peut-être. Je vais suivre ton let's play à fond. Merci à toi, Sans Inazuma. Attendez. C'est qui eux? Vous jouez à quoi? Laissez-nous passer. Hein? Bob, c'est bien toi? C'est qui eux, les amis? On était au club d'athlétisme ensemble, qu'est-ce qui se passe? De quoi? Il y a quelque chose qui me tente par an, est-ce qu'on voit bizarrement? Attendez. Non, mais c'est un truc dans le jeu, genre il y a pas ça dans l'anime. Voilà les joueurs, enfin les joueurs de Raymond, nous vous attendons. Qu'est-ce que vous racontez? Ça doit être un tuto, genre pour t'apprendre à jouer, je pense. Je pense que c'est ça, les amis. Le petit tuto pour t'apprendre à jouer, si on perd là, je serai clairement dégoûté. Clairement, j'ai tout surmonté sur Inazuma Eleven 1, on va pas me dire qu'on va perdre ici. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a des techniques? Kevin, normalement, je crois que ça a commencé avec un petit choc du dragon. Effectivement, il a tout le choc du dragon, mais il a pas la tornade du dragon. Est-ce qu'on a la différence entre tempête de feu et tempête de glace? C'est par rapport à gazelle et à torche. Quoi? Oh, Kevin, oh! Ça commence les poteaux. Allez, merde, il a pas de tir. Bon, lob puissance max, c'est pas mal aussi. Oh, Kevin, tu te la raques, gros. J'utilise une technique à 33 pt et il met un poteau. Oh là là, Kevin il me fait chier. Hein. Tu pourras après recruter Eric et Bobby. Ah mais je crois qu'ils vont venir automatiquement dans l'équipe. Ok, du level up, ça fait plaisir. C'est ça qu'on veut, du level up.
Comment peuvent-ils nous défier à un match de foot? Ils n'ont même pas d'équipe attitrée. Qu'est-ce qui t'arrive, Bob? Tu ne me reconnais pas? On est des amis, tu te souviens? Nous aurons bientôt acquis une puissance qui vous fera frémir. Vers de... Qu'est-ce qui leur arrive? Ok, ils sont chelous, hein. Mais ils sont possédés, non? Je crois ils sont contrôlés par la Pyralus, un truc comme ça. Attention. J'espère que vous avez apprécié l'accueil que nous avons réservé. Manipuler les faibles d'esprit est un jeu d'enfant. Comment ça, manipuler? Qu'est-ce que vous leur avez fait? Qui êtes-vous? Répondez! J'ai mieux à faire que de répondre à des vermisseaux dans votre genre. De toute façon, nous avons déjà remporté cette bataille. Ah là là, ils ont la classe, hein. Attendez! Ils sont TPO. Naruto Shippuden. Ils ont disparu. Waouh, vous avez vu la même chose que moi, je suis pas fou, hein. Regarde, Marc. Aïe. Ah, mais ça, c'est les anciens Inazuma, ça. Monsieur Sweet, vous êtes blessé. Le fameux Monsieur Sweet, il nous a fait chier durant tout Inazuma Eleven 1. A chaque défi, utilise Main Céleste pour l'améliorer plus vite. Je vais essayer, mais ça veut dire qu'il faut que je les fasse tirer aussi, les adversaires. Si les anciens de l'Inazuma Eleven sont dans cet état, c'est qu'il a dû se passer quelque chose de grave. C'est de notre faute. Marc, je regrette, nous n'avons pas été à la hauteur. Nous ne sommes pas parvenus à défendre le collège. Défendre le collège, mais contre quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oula. Il a la diarrhée ou quoi? Sérieusement, comment il marche? Après, c'est les animations, je sais plus, il est sorti à quelle époque? 2012 peut-être? Salut à toi, Volnar. 2012, je crois, le jeu, hein. Dites-moi si je me trompe. Vous n'avez rien, monsieur? Non, mais je crois qu'il est tout à fait normal, Marc Evans. Les extraterrestres. Qu'est-ce que vous dites, des extraterrestres? Oui, c'est exact. Nous avons été attaqués par des extraterrestres. Je kiffe faire les voix. On va voir la scène, je crois. On y va? Ouais, super. Wow. Wow, c'est un délire, c'est un délire. C'est gros. Mais c'est trop stylé. Mais que se passe-t-il? Il fait coller lui, il me fait trop rire. Nous avons voyagé à travers l'espace, depuis la lointaine planète, Alius. Misérables terriens, nous allons vous prouver notre supériorité. Et pour cela, nous utiliserons votre domaine de prédilection. Autrement dit... Oh, le bruit des ballons. Le football. Sur votre planète, le football est le moyen de départager les forts des faibles. Nous allons défier tous les humains qui jouent au football. Tant que nous gagnerons, nous continuerons de détruire votre monde jusqu'à son anéantissement complet. Bah putain, quel projet, wow, quel projet de vie, bravo. Je vais plutôt vous dire qui nous sommes. Retenez bien ce nom, car vous n'êtes pas prêt de l'oublier. Vous devez savoir qu'on nous connaît sous le nom d'Alius Academy. L'Alius Academy. Ah lui, mais il fait coller, il est LSD le gars. 1er octobre 2009, date de sortie d'Inazuma Eleven 2. Ah ouais, si vieux que ça? En France, c'était 3 ans plus tard alors. Au Japon peut-être. Et voilà le résultat. Oh là là, imagine mon lycée se fait détruire comme ça. C'est moi qui... c'est la fête, alors je sors le champagne avec mes potes et on fait la fête toute la nuit. En vrai ouais, j'ai du mal à y croire. En vrai, les cinématiques sont mieux que dans le 1. Vraiment, dans le 2. C'est extra terrible. C'est extra atroce. C'est vraiment trop. Il faut que j'aille au petit coin. Sauriez-vous me dire où on trouve mon père? Oui, il vous attend dans un endroit secret. Je vais vous y conduire. Bon, là, ça commence à rentrer dans le vif du sujet. On commence à se rendre compte de l'ampleur de la Lus Academy, vraiment. L'entrée du centre d'entraînement a été bloquée par les décombres. Ne me dites pas que le directeur du collège est coincé là-dessous. Non. Marc. Yeah. Ah non, Marc, tu n'es pas Hulk, hein. Désolé pour toi. Marc, il a vraiment cru l'aller soulever ça. Ah oui, c'est pas idiot du tout.
Tous les élèves ont été évacués, ils se sont réunis dans l'ouest du collège. Ok, il va falloir qu'on trouve un... des élèves, je crois. Excellente idée, allez, c'est pas le moment de traîner. Attendez, c'est pas tout. Je vais vous accompagner. Ah oui, bien sûr, c'est comme vous voulez. Monsieur Feilerwill, vous avez pas l'intention d'aller vous cacher au sein d'Inamikari, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous racontez? Je veux juste m'assurer que le directeur va bien, voyons. Il va fuir. C'est le Daron Adja qui va fuir, pareil. Que des souvenirs, c'est pour moi le meilleur jeu Inazuma Eleven avec le 3. Pareil, exactement pareil, Hotman. Et peut-être Chronostone aussi. Explorer la zone ouest. Zone ouest, ouest, ouais, c'est là-bas. C'est bien là-bas. Alors elle, je crois que c'est une fanboy d'Axel. Non, peut-être pas en fait. Alors où est-ce qu'on peut pas trouver des petits coffres? Je vais chercher des coffres, les amis. On peut en profiter pour l'instant qu'on n'a pas de défi. Je vais peut-être voir le niveau de mes joueurs aussi. 2. Alors, c'est quoi leur technique? Main céleste, main magique, la base. Il n'y a plus la triple défense, vous pouvez remarquer. Ok, je vous dis, il est full technique presque. Nathan, il n'y a plus l'oiseau de feu. Le dragon, plus la tornade dragon. Il va l'apprendre, je pense. Tandis, il a rien, bon, comme d'hab. Willy, t'es une merde, super poisse. Ok, et Axel, merde, ils sont même pas là. On a vraiment une équipe claquée au sol pour l'instant. On n'a pas vraiment l'équipe qu'on a gagné la finale du Football Frontier. On fera sûrement un live recrutement aussi sur le jeu. Imaginez un remake de IE2 sur Switch. Ah, ça serait cool en vrai. Ah, mais là, c'est vraiment défoncé, quoi. Ah, le local dans l'animé, il est pas détruit de base, je crois. Je crois que c'est Janus qui le détruit. Donc là, il est déjà détruit, ok. Oh non, regardez le local. Il est en 1000 morceaux. Il y avait peu de chances qu'il résiste à une attaque de cette ampleur. C'est vrai qu'il n'est pas flambant neuf, mais ça fait quand même mal de le voir dans cet état. Mark Evans est énervé, énervé. Hein. Allez, les vénères. Ils vont devoir répondre de leurs actes. Ils s'en sont pris aux anciens Inazuma Eleven. Ils ont détruit notre collège. Et ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Capitaine, écoutez, nous ne pouvons rien faire ici. Il faut trouver un moyen d'accéder au sous-sol. On devrait demander autour de nous. Ok, d'accord. Mais je crois savoir où c'est, les amis. On va voir si j'ai des bons souvenirs. Pierre, vous m'aiderez hein, si jamais. C'est ça l'avantage d'être en live comparé à Inazuma Eleven 1 que j'ai pas fait en live. Vous pouvez m'aider. Eric et Bobby sont avec un ami de l'équipe de Kirkwood. Ok, salut à toi, Ochi. Je suis Inazuma. Oui, Bobby et Eric, on les recrute à la gare. Ah bon? Bon, bah, faudrait que j'aille à la gare alors. Peut-être voir des petits coffres, non? Qui traînent un petit peu là. Mais je crois savoir où c'est la zone. Je crois que c'est en haut vers le local, sur la droite, mais je suis pas sûr. Là, je cherche des coffres. Ah, parfait, un coffre. Let's go. Oh, direct des crampons! Oh, insane! On va les mettre, hein. On va voir ce que ça vaut. On va les mettre sur un attaquant, Kevin. Ah non, la vitesse. Bon, bah, c'est. Nathan, allez. 20 de vitesse comme ça, c'est pas mal. Ok, donc, il y a un intéressant. Peut-être des petits coffres là, non? Est-ce qu'ils sont radins au coffre? Parce que sur le 1, ils étaient radins. C'est soit je les ai tous ratés, soit ils étaient des gros radins. Ah oh, ici, on l'a vu le petit coffre. Une boulette de riz, bof, pas très beau. Pas très ouf. Si t'as besoin d'aide, je suis là, j'ai fini deux fois le jeu. Je vois qu'il y a des experts Inazuma entre vous, parmi vous. C'est cool. Troisième coffre. Ok, barre de céréales, pas ouf non plus. Bon, je crois qu'on a fait le tour du bas. On va pouvoir remonter. Un coffre encore là, je l'avais raté lui. Ok, du lait. Bon bah on va peut-être, je crois c'est là je crois. Ouais, fini tout. Hein? Vous voyez un trou, vous? Ma vue n'est plus ce qu'elle était. Ah, c'est ce que je vois, écartez-vous. What the fuck? Il est trop costaud, il est trop balèze Marc. Marc, il est trop chaud. Ah, Jim, d'où sors-tu? J'ai frôlé la crise cardiaque. Jim, il est chelou. Hein. Ça aurait pu être un infiltré de la Luce Academy en vrai, lui. Hein. Il est tellement chelou que. Entrez au sol et explorez-le. On va sauvegarder avant. On n'a pas sauvegardé depuis le début. J'ai pas envie de. Voilà, faire ma sauvegarde. Pour ceux qui savent pas comment je joue, c'est sur émulateur, les gars. Moi aussi, je joue sur émulateur. Voilà, c'est sur émulateur.
On fera bien sûr Inazuma Eleven 3 aussi pour ceux qui me posent la question après. Je sais d'ailleurs pas quelle version prendre. Dites-moi si vous avez des versions préférées d'Inazuma Eleven 3. Les ogres, ça me tente très bien quand même. Génial tes vidéos, Rems. Merci à toi. Vous voilà. Oh, monsieur Smith. De retour, le frérot. Le frérot Smith. Il nous aura tellement aidé dans Inazuma Eleven 1. Il m'aura tellement défoncé la voix aussi avec sa son. Parce que j'essaie de l'imiter, mais. On saura tout le temps d'en discuter plus tard, Marc. Sonny vous attend à l'intérieur. Mon père est à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe ici, inspecteur? Ouais, bien une fois entré, mais avant cela, je dois m'assurer que vous ne portez pas de mouchard sur vous. C'est des collégiens, calme-toi. Hein. Attouchement sexuel, moi, je dis. Ah ouais, des gardes et tout, carrément, ça rigole pas ici. Ça, dis-toi, t'as ça en dessous de ton collège, quoi. Moi, je suis pas serein. Ah, c'est malin, mon survêtement est tout chiffonné maintenant. Ma maman venait juste de le repasser. Ma coupe de cheveux, je suis en train d'un hérisson. Si vous saviez le temps que ça prend pour me coiffer le matin. Désolé, mais c'est ma procédure, c'est bon, vous pouvez rentrer. Dommage que je ne peux plus jouer Inazuma sur PC, mon ordinateur est cassé. Bon, les gars, on va continuer un petit peu. Toujours pas le premier match, je pense qu'on aura le temps, ça fait quoi? Ça fait, allez, une demi-heure qu'on est en live. On aura le temps de faire un match, je pense. Wow, vous êtes au grand complet. Ah, le fameux principal. Père, vous n'avez rien. Quel est cet endroit, monsieur le directeur? Ce centre me servait d'une base opérationnelle pour mes enquêtes sur Red Arch. Je ne pensais pas devoir l'utiliser un jour dans une telle situation. Visez un peu tout ça, c'est rempli de bidules et de gadgets. Si tout ne touche à rien, tu pourrais appuyer sur un bouton d'autodestruction. Ah, carrément. Oh putain, c'est des fous dans ce collège, vraiment. Ils ont des bails genre sous le collège et tout, une base secrète. Prends la version ogre, comme ça t'affrontes les anges et les démons. Pas bête, mais c'est ce que je pensais faire, donc ça vous, si ça vous plaît. Je vais en tout cas vous donner des détails sur les pouvoirs que possèdent les individus. Je vous explique. Sony, ce serait peut-être plus simple en leur montrant ceci. De quoi parlez-vous, inspecteur Smith? Une vidéo? C'était exact, nous avons reçu un enregistrement de la ligue de football. Accrochez-vous, je préviens, ce n'est pas beau à voir. Non, c'est pas avec ce genre de commentaires que vous allez nous détendre l'atmosphère. Toi, c'est le petit comique du groupe, en vrai. Attendez une minute, je la reconnais, ce sont les élèves de Kirkwood. Oh, peut-être une cinématique encore. Ils ont dû se faire démonter. La Cus Academy est également passée au collège Kirkwood. Oh, mais il y a full cinématique. Incroyable. Les Totally Spies masculins, MDR. Les fameux. Ah, mais ils sont fait démonter. Hein. Oh là là. Il fait voler le ballon, tu sais. 86-0. Ah ouais. Mais là, t'arrêtes de jouer au foot, hein, c'est plus possible. Hein. Un but par minute, quoi. Bah voilà, on en est là. Ils sont fait démonter. Les cinématiques de ce jeu sont trop classe. J'ai trop hâte de l'épisode où t'auras Sean. Moi aussi j'ai vraiment hâte de l'avoir. Mais pas de trop de spoil. Si jamais il y en a qui découvrent, on sait pas hein. Même si le jeu est sorti en 2012. Malgré leur niveau, leur équipe n'a pas été de taille contre la Luce Academy. C'est des extraterrestres. Ce sont eux qui ont attaqué notre collège. C'est exact. D'après nos sources, d'autres établissements scolaires seraient concernés par cette affaire. Apparemment la plupart des collègues ayant participé au tournoi Football Frontières ont été attaqués. Quoi? Encore une cinématique. C'est difficile à croire, mais il semble que nous ayons bien été attaqués par une équipe de football venue d'ailleurs. Quoi? Comment? Mais ce n'est pas... C'est surprenant, je sais. Oh. Mais en jugé, par leur pouvoir, tout laisse à penser que ce sont des extraterrestres. Nelly, elle est choquée. Ça n'est pas remis. Je veux bien concevoir que les êtres humains ne sont pas la seule forme d'intelligence dans l'univers. Mais pourquoi les extraterrestres choisissent-ils le football pour se mesurer à nous? Intéressant. Pourquoi le football? Je demande si... Ça y est, j'ai compris. Allez, qu'est-ce qu'il va dire? À mon avis, le football est un sport tellement génial qu'il s'est propagé aux quatre coins de l'univers. La théorie est Mark Evans, on adore. J'ai dit, c'est trop stylé. C'est vrai, pour le début, il est pas mal. Père, qu'avez-vous l'intention de faire? Moi, je préfère quand il ait les cheveux attachés, Janus. Je trouve ça lui va mieux. Salut à toi, Bayas. Allô? Qu'est-ce que vous dites? D'accord, entendu.
Oui, au revoir. Je demande qui c'était. J'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer. C'est pas la première, tu sais, on en a eu plein depuis le début. Le collège Umbrella était averti. Oh non, mais c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle, la vie. C'est les racailles, c'est les pseudo-racailles. Mais ça, c'est une super nouvelle, on va pas les aider, non. Le collège Umbrella. C'est pour ceux qui se rappelleront d'eux. Voilà, là, je les ai victimisés, les pauvres. Ils se la jouaient trop, ils faisaient trop les fous. Leur équipe est toute nouvelle et leur collège sera bientôt plus caché en ruine. C'est trop injuste. Monsieur le directeur, nous partons dans ce cas, de ce pas au collège Umbrella. On va pas laisser faire ces extraterrestres. Ah, je voulais pas y aller, mais on est obligé. On va leur montrer ce qu'on peut pas atomiser les collèges des autres impunément. Ouais, il n'y a pas rien pour attendre. On va s'occuper de ces spatiaux psychopathes. Je pense qu'ils ont un petit peu beaucoup de confiance en eux, tu vois, les Raymond, actuellement. Je crois que j'aurais bien du mal à vous retenir de toute façon. Mais faites attention, vous trouverez sur votre chemin de nombre de personnes sous l'emprise de pouvoir psychique d'Alus. En gros, ça veut dire qu'il y aura des défis, voilà quoi. Utilise la main céleste une fois par défi pour l'améliorer plus vite. Je sais, beaucoup de gens m'ont dit, t'inquiète pas. Spoil, gardien en vue. Si j'apprends quelque chose qui pourrait nous être utile, je publierai sur mon blog. C'est quoi déjà un blog? Oh, Mark Evans, tu fais chier, mais ça c'est pas intéressant. Ok, le fameux blog, comme d'hab. Ok, on parle toujours de son blog, donc c'est bon. Si tu veux, quand tu pourras faire des recrutements, il y a des codes avec des joueurs que tu pourras recruter. Que par code, j'ai tous les codes, donc si t'as besoin, je les ai. Bah pourquoi pas, on fera un live recrutement de toute façon, les amis. Ça sera acté, le live recrutement, sûr à 100%. Bien sûr, comme dans Dynasty Eleven 1. Peut-être on en fera un ou deux, parce qu'il y a plus de joueurs sur Dynasty Eleven 2, même beaucoup plus. Il y a des joueurs que j'aimerais bien recruter du 1 que j'avais, genre Erin ou Erin, je sais jamais comment ça se dit. Il y a d'autres joueurs aussi, Decker, j'aimerais bien l'avoir. Et Shadow, je pense. Qui êtes-vous? Et vous ne ferez pas un pas de plus. Maître Janus nous a donné l'ordre de ne pas vous laisser passer. Oh, des randoms à défoncer. Mais on va les défoncer, allez. Deuxième défi de l'aventure, les amis. Le premier, on a fait de la merde. Ça mentir, on a fait un peu de la merde. Là, j'ai envie de le finir en 2 secondes. En 2 secondes, c'est plié. Voilà, bim, allez, c'est plié. Tête, puissance max. Pour toi, quel est ton gardien préféré sur Hector? Et Mark Evans, bien sûr, Dinazuma. Putain, il arrête de mentir encore. C'est pas possible. On a gagné le football frontière, bordel. Attends, je vais faire un lob, au pire, un lob, ça va marcher. Pour ma gardien préféré, ça serait... En vrai, j'ai pas d'idée. Niveau gardien, Dinazuma, ils sont pas trop respectés, la plupart, hein. Je sais pas, je sais même pas. Peut-être Nishikage, je dis ça, mais ça se trouve, j'ai pas bien réfléchi. Mais... j'ai bien Nishikage. Mais oh putain, même pas niveau 3 quoi. Allez, dégagez, voilà. Allez pleurer. C'est moi, j'ai tourné la caméra comme ça ou pas? Ouais, j'ai tourné là. Ah ouais. Putain, les défis ça va y aller, je sens. Les amis, je sens que les défis ça va y aller. Non, là de toute façon faut qu'on... ah, intercepter le ballon c'est facile. Faut qu'on XP quand même un petit peu au début. Reste là, reste là, putain. Ça j'aime pas. Je pense, ce défi, ce genre de défi, tu penses c'est les plus faciles, mais en vrai, ça fait chier. Voilà, je te prends un sandwich là. Allez Jude. Putain, ils font chier. Surtout sur émulateur, c'est pas simple les amis, je vous jure. Allez Kevin, tu me tacles ça, voilà, ça dégage. Tête de noisette en plus, on dirait. Dommage, Quadmire n'a pas gagné. Rems, je sais comment avoir Paul Peabody. Paul Peabody, après, il est pas ouf en soi. Hein. Oh, 2 crampons, on a eu. Insane, jackpot. On a bien fait de le faire, ce défi. Merde, à chaque fois, je me trompe. La frappe et la vitesse. Ça, on va mettre à Jude. Et la frappe à Kevin. Ok, let's go, let's go. Quand on aura Axel, on mettra les équipements aussi. Donc je pense qu'on va se soigner. Et on va peut-être sauvegarder. Je sais pas. Bah... non, peut-être pas maintenant. On va aller au collège Umbrella d'abord. Ah, faut peut-être que j'aille à la gare. Je vais peut-être voir si je peux aller à la gare. N'hésitez pas à me dire si c'est maintenant qu'on doit les recruter. Qu'est-ce que la porte principale est fermée? Je parle de Eric et Bobby, bien sûr. Il n'y a pas grand monde bas ici. Bizarre, ils sont peut-être pas au courant pour les extraterrestres. Ça m'étonnerait. Waouh. C'est quoi? C'est un tremblement de terre. Il manquait plus que ça. Ils sont là, ouais, ils sont là. Oh, la classe, putain.
C'est même des extraterrestres qu'on a vus au collège Raymond. Non mais Marc, essaye pas. Fais grimper le mur sur la droite. Je ne connais pas ce numéro. Qui peut bien t'appeler à cette heure-ci? Je n'ai pas la moindre idée. Allô? Bonjour Nelly. Oh putain, elle va flipper. Allô, qui est à l'appareil? Pas besoin d'être défensive Nelly, c'est ton père qui va donner ton numéro. Mon père, pour l'instant on sait pas qui c'est. Et on va bientôt le savoir, je pense. Sans spoiler bien sûr. Vous êtes finalement arrivé au collège Umbrella, vous avez plus de temps que prévu. On dirait une ennemie hein, comme ça. Non, c'est après pour recruter Eric et Bobby. Ah d'accord, ok. Ah merde, on va aller voir une équipe de merde alors. On n'a pas le temps de faire les présentations, j'irai donc droit au but. Dirigez-vous vers la gauche depuis le portail, vous atteindrez un endroit où la partie du mur s'est effondrée. Mais elle est derrière un buisson là, c'est pas possible. Elle a raccroché. Ça alors, ton père a une mystérieuse informatrice, il en a de la chance, je suis super jalouse. D'après mon interlocutrice, il est possible d'entrer dans le collège en passant par la gauche. Mais peut-on lui faire confiance? On n'a pas le temps d'en discuter, allons-y, on verra bien. Ah, on fonce tête baissée, c'est pas grave. Avec Marc, on fonce et on réfléchit après. Je dis tout d'un truc, hein. Bon, assez perdu de temps, il veut qu'on s'active. On te suit. On suit le capitaine Daemon. Alors, je vais peut-être sauvegarder là. Petite sauvegarde quand même. Non, je te parle des gardiens de Nazuma Eleven 1, 2 et 3. Ah bah, je sais pas. Franchement, je sais pas. 1, 2, 3, j'arrive pas à me décider. Franchement, c'est Hector et Marc les deux meilleurs. Gants d'entraînement. Parfait, on va mettre à Marc ça direct. Oh, que de 1. Pour l'instant, on a des objets pourris, hein, mais c'est le début d'aventure, c'est normal. Ok, nickel. On va pas parler aux gens, ils servent à rien, c'est des randoms. Est-ce qu'on est soigné? C'est bon. En route sur le terrain, c'est parti, on va affronter des extraterrestres. Autumn, il est fort. Je vois pas du tout qui c'est. Je vois pas du tout. Ah, la musique! Ah ouais, les musiques aussi sur ce jeu. On va kiffer les amis, moi je vous le dis. Allez, montrez-vous donc. Il a oublié le misérable terrien. Oh, cette musique les gars. Waouh, choqué. Oh, ah, les racailles, les fameuses. Vous venez vraiment d'une galaxie lointaine. Pourquoi vous vous cachez? Est-ce que vous acceptez de nous affronter, oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Ils ont détruit le collège Raymond. On n'a aucune chance de les battre. On ne peut pas accepter leur défi. Ouais, t'as raison, on doit penser à notre collègue. On n'a pas le choix, faut qu'on refuse de jouer contre eux. Et bah alors, on a peur. Alors, nous attendons votre décision. On a choisi, on refuse de jouer contre vous. Oh, 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 vous êtes que des faibles. Qu'est-ce que vous faites? Nous détruisons votre collège. Quoi? Votre refus de jouer ne fait que démontrer votre faiblesse. En déclarant forfait, vous avez commis une erreur. Les erreurs sont punies par la destruction. Non, attendez, vous ne pouvez pas. Aussi ils peuvent. En vrai moi, j'aurais été Marc, j'aurais couru. Je les aurais pas aidés. Tu es... Oui c'est moi, Marc Evans, le capitaine du club de foot du collège Raymond. Nous allons jouer à la place de l'équipe Umbrella, ça vous va? Marc, vous vous montrez enfin. Quoi? Vous êtes les champions de... C'est quoi déjà ce tournoi de seconde zone? Le mec trop insolent. Ah oui, le tournoi football frontière. Vous êtes donc l'Inazuma Eleven, n'est-ce pas? Vous nous connaissez? Parfait, vos congénères seront d'autant plus terrifiés une fois que nous aurons écrasé. Si même les champions du football frontière sont impuissants face à nous, ils devront se résigner à abandonner tout espoir. Viens, tu vas voir. Écoute-toi moi bien, bande de microbes. Mon nom est Janus et nous sommes l'équipe de la tempête des Gémeaux. Nous serons les maîtres de votre destinée. Notre destinée? Ah, c'est Neji Yuga, la destinée du destin, pour ceux qui auront la référence. Neji Yuga, c'est mon personnage préféré, je pense, de Naruto. Vous prenez pour qui? Vous avez des idées bien étranges au sujet du football. Le football n'est pas un moyen d'oppression, c'est un jeu noble qui réunit les gens et leur donne de l'espoir. Le football vit, le football respire, Marc, c'est bien. Il faudra vous faire une raison d'après votre défaite. Ça va péter, là ça va clasher. Résumé foireux, MDR. Il n'y a rien à craindre, Jack, on n'est pas les champions nationaux pour rien. On va leur montrer le résultat de notre entraînement. Mais eux, c'est quand même des extraterrestres. Et confiance en toi, Jack, tout va bien se passer. Tu as raison, Jude. Enfin, ils ont quand même détruit des bâtiments avec des ballons. Moi, je serais Jack, voilà, je cours. Hein. Accrochez vos ceintures à l'US Academy, des collèges immédiats pour planète d'origine. Oh, oh, la punchline. Oh, Marc Evans, il est trop chaud. Il est trop chaud. Enfin, pour l'instant. Pour l'instant, il est chaud. Allez, c'est parti. L'action, les amis. De l'action. Ok,
Qui est ton attaquant préféré à part Axel et Paolo, bien sûr? Je sais pas, peut-être Kairoto, j'aime bien. Vous pensez que pour utiliser le foot comme moyen de... Attends, j'arrive pas à lire là. Vous pensez que vous pouvez utiliser le foot comme un moyen de destruction? Je vous laisserai pas faire. Premier match de l'aventure, les amis. Premier match. Ah, t'es bien sûr de toi, alors essaye donc de nous battre avec ton équipe si vous en êtes capable. Vous avez détruit notre collège. Je me fiche de savoir sur quelle planète vous venez. Personne ne peut battre Raymond sur un terrain de foot. Ouais, on a gagné le football frontière. On va vous montrer. Je crois que vous avez un dicton pour ça sur Terre. L'orgueil précède la chute. En fait, c'est un concours de punchline là, il se passe quoi? Vous croyez pouvoir vous en tirer si facilement? Il n'en est pas question, on va vous affronter à l'S Academy. Et on va gagner. Ok, ça c'est le... Ah, ça c'est la nouveauté, Inazuma Eleven 2. En touchant l'icône T, vous pouvez tirer quelle que soit votre position sur le terrain. Une nouveauté sur Inazuma Eleven 2, encore une fois. C'est parti les amis, premier match de l'aventure, on est chaud. C'est quoi son nom en français de ton dracon préféré? Putain, c'est quoi son nom en français à Kairoto les amis? Xavier Schiller je crois. Alors on a une équipe de merde, clairement. Heureusement que Willy est remplaçant, mais... Oh là là, l'équipe de merde qu'on a. Bah laisser comme ça je pense. Je regarde un petit peu les éléments. Voilà, on va mettre le vent du même côté. Lui on va le mettre là parce que c'est un attaquant. Mais avant il a plus de techniques de milieu. Voilà, bon, on va le tenter comme ça les amis. Et en face, qu'est-ce que nous avons? On va juste regarder leur niveau. Oh, elles sont pas si incroyables que ça non. Ok. Niveau 8, d'accord. Pour un début, en vrai, ça pourrait aller, mais le scénario, tu vois, la puissance du scénario, moi, j'ai peur de ça. Pas besoin d'être sérieux sur ce match, c'est scripté. Ouais, non, mais je m'en doute, hein. On va quand même tenter de bien jouer. Allez, c'est parti, premier match. Putain, mais il fait quoi, Nathan? Alors, je tente de pas perdre la balle. Pour l'instant, je vais tenter de les stalker. Ah, putain, je dis ça et je fais de la merde. Ils font la passe à leur gardien. J'aurais aimé qu'il rate la balle, ça aurait été drôle. Voilà, je pense qu'on va pas récupérer la balle. Hein. Oh là là, 4 de valeur à 88. Ils sont trop rapides. Oh, je me fais rouler dessus. Allez, Jude, c'est toi la star de l'équipe quand même. Star qui fait 8 de valeur. Mais je crois que les valeurs elles sont truquées, c'est pas possible. 97 de valeur quoi. Non mais où on est où là? Un double en plus, un double mon gars. Oh là là, putain. Faites des passes, je vais tenter d'intercepter leur passe. Fais une passe. Le mur. Putain, même les techniques ça passe pas quoi. Ah, vous avez vu ça? Putain, ah bah là la marque va se faire défoncer hein. Je crois que j'ai utilisé la main céleste pour l'améliorer. Pour toi, quelle est la plus grosse victime du jeu? Willy, je pense, hein, clairement. Ça se doit se jouer entre Willy et Todd. Un truc comme ça. Oh là là là, tir normal. Ça me rappelle le match contre la Royal Academy, tout ça. On va vous écraser. J'aime pas me faire défoncer. 1-0. En vrai, ça va. Oh, nouvelle musique. C'était pas cette musique avant. Ah, mais ils avaient activé leur frénésie, c'est peut-être pour ça. J'essaie de faire des passes tôt pour pas qu'ils les interceptent. Et voilà, je fais des passes de merde. Oh putain. Pourquoi je fais ça, les amis? Je sais pas. Peut-être je suis en panique. Ok, 15ème minute, c'est scripté. Un deuxième but. Oh là là. C'est impossible, ils sont rapides, bien plus rapides que l'équipe de Zeus. Je veux ma maman. C'est donc vrai, ils viennent vraiment d'une autre planète. Mais c'est invraisemblable. On ne sera jamais à la hauteur. Putain, en 15 minutes, ils ont totalement changé leur discours du début de match. Je ne vois pas comment on pourrait les arrêter. N'abandonnez pas, ce n'est que le début du match. Il faut continuellement jusqu'à que Axel arrive. Il devrait déjà être en chemin. Et aussi Bobby et Eric, hein. S'il vous plaît. Hein. Leur technique était incroyable, les extraterrestres marquèrent but après but. Oh non, on va faire 10... Oh, 10-0. Mais il n'était pas question d'abandonner pour autant et nous avons confiance en Axel. Nous savions qu'il arriverait à marquer, à changer l'issue du match. Axel, comme d'habitude, reviens s'il te plaît. Il nous fait que attendre, Axel, toujours. Hein. Pas plus bien à dire, aura des techniques de marque.
Le Pulpy Body, je sais pas s'il est ouf en vrai. Parce que sur le 1, je le faisais jouer défenseur au milieu, mais en tant que gardien, je sais pas ce qu'il vaut. C'est ça le résultat de votre entraînement? Vos efforts sont vains, terriens. La Lust Academy est invincible. Quoi? On s'est fait laver, hein. Il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire pour les battre. Ils ont marqué beaucoup trop de buts. Maxel ne pourra pas nous tirer de ce mauvais pas. Il ne faut pas se voiler la face. Umbrella va finir exactement comme Raymond. Arrêtez de pleurnicher. La deuxième mi-temps va commencer. Restez concentrés. On ne peut plus rien faire. Courage, les gars. On n'a pas encore dit notre dernier mot. Il faut juste qu'on marque une fois pour arriver à débloquer la situation. On peut y arriver. Il n'y a pas des blessés? Non, ça va, il n'y a pas de blessés. Pour l'instant. Oh, Mark Evans, Axel Blaze, ça fait plaisir. Toujours en l'entrée avec la petite musique en fond. Vous avez le temps de faire un changement. Axel, enfin. Tu en as mis du temps. Ils sont forts, Axel, vraiment forts. On s'est fait démolir en première mi-temps. Axel Blaze, les amis, le retour. Dans le jeu, il a la main céleste et la main magique. Je crois que la muraille infinie, je crois qu'il l'a. Peut-être. Je suis au courant, c'est donc ça, la Lust Academy. Je pense que tu parlais de Bobby Body. En tout cas, le retour d'Axel, ça fait trop plaisir. Ah, c'est lui votre buteur vedette. Je vois qu'on va bien s'amuser. Je sais pas si on va réussir à marquer un but. Je m'en souviens plus. Peut-être un. Avec Axel comme dans les Nazman Event 1. Ou alors c'est vraiment le massacre total quoi. Ouais, personne ne peut s'arrêter. Ah, ils veulent faire l'éclair pulvérisant. Même pas des extraterrestres. Tant que ces trois-là arriveront à réunir leur force, on pourra pas perdre. Tu l'as dit, on peut tenir tête à n'importe quel adversaire, même si ce sont des extraterrestres. Et même si on perd 10-0 aussi. Hein. Il y a encore de l'espoir, on peut gagner ce match. Très bien, donnez-moi le ballon quand on sera en phase des buts. Quand je serai en phase des buts. Suivez-moi, je passe en tête. Allez tout le monde, on va retourner sa situation. Alors voilà le merveilleux buteur Axel Blaze. Quelle bonne occasion. Nous allons voir ce qu'ils peuvent faire avec lui dans l'équipe. Le retour d'Axel, ça fait trop plaisir. C'est vrai. Alors, 10-0. Hein. Oh là là. Avec Janus en buteur. On va tenter ma technique. Ma petite astuce pour ceux qui m'auront suivi sur Inazuma Eleven 1. La petite astuce. Alors, on va tenter l'interception. Ah putain, ils sont trop rapides. Les joueurs sont trop lents. Voilà, je pense que c'est ça. Oh là là, on se fait démonter. Allez, Axel. Ah merde. Peut-être utiliser la frénésie, je sais pas. Franchement, je sais pas si je vais utiliser ma frénésie. J'ai pas besoin de spoil les gens qui savent pas. Essayez pas trop spoil pour ceux qui découvrent le jeu. Si jamais il y en a, même si le jeu date et il est ancien et tout. Moi je fais attention, donc essayez de faire attention les gars. Alors on va se faire démonter là. Coucou mon frérot. Ah salut à toi Legender, ça va? C'est mon poteau, c'est sur lui. Avec lui j'ai fait la vidéo Fortnite, pour ceux qui savaient pas. La vidéo spéciale des 2000 abonnés. Je l'arrêterai cette fois. Utilise la main céleste, Marc. Tu arrives à me passer le ballon. Je pourrais utiliser l'éclair pulvérisant. Marc déborde d'énergie. Ah, est-ce que l'arrêt de Mark Evans? Est-ce que la main céleste? Les gars, en fait, moi j'ai envie d'améliorer la main magique. Hein. La magique c'est tellement plus puissant. Ah, il accumule. Qu'est-ce qu'il accumule de l'énergie? Ok, ok, main céleste. Est-ce qu'il l'arrête? Je pense que oui. Yes. Allez, contre-attaque. Contre-attaque de Raymond. Ah bah pas trop tôt MDR. Ça va et toi? Ça va tranquille Legender. Désolé si j'ai pas vu ton message. On peut gagner. Ah là ils y croient là. 10-0, ils croient. Ils croient qu'ils peuvent gagner là. Compte sur moi. Les encouragements de Marc motivent Axel et Jude. Allez, l'éclair pulvérisant, c'est parti. Allez. Allez la tempête GMO, on va vous montrer comment on joue au foot. Cette technique est infaillible. Prends ça, éclair pulvérisant. Je débarne énergie, ok. Éclair pulvérisant les amis. Je crois bien, j'espère qu'on va marquer. Mais si je me rappelle bien de l'animé, si ça fait comme... J'espère que dans le jeu ça va être différent que dans l'animé les amis. Je sais pas. Non, ouais, oh, bah, le bâtard. Un pélo, l'insolence. L'insolence de ce jeu. C'est quoi Sir? C'est vraiment pathétique. Comment? Il n'a même pas eu à se concentrer sur le ballon. Ah bah c'était pareil qu'il doit l'animer du coup. Putain, il nous a démonté, il a arrêté quoi. Vous appelez ça une technique? C'est mieux que vous puissiez c'est le mieux que vous puissiez faire, pauvres petits humains. Non, il n'y a pas de limite à ce que les humains peuvent faire. Marc, vous n'abandonnez jamais hein. Votre optimisme démesuré vous mènera à votre perte. Ne jamais abandonner fait aussi partie de notre technique.
Tiens donc. Jude a raison, on n'abandonne jamais, même si tout va mal. On n'a pas peur des extraterrestres. Oula, ne les énervez pas, s'il vous plaît. Faible et stupide, vous ne cesserez jamais de m'étonner, Terrien. Vous croyez qu'on va se laisser faire? Vous vous trompez. Prenez ça. Ah, encore une cinématique. Putain. Quoi? Mais... c'est pas vrai. Charge enflammée. Oh, il a la charge enflammée, Axel. Oh non. Oh, allez. Oh. Ah ouais, bah oui, bah oui, bah oui. Je dois faire la main magique. Oh. Où est le ballon? Oh putain! Mark Evans, je crois, sa tête, elle, c'est un aimant à ballon, je crois. Ils viennent d'ailleurs. Oh putain, tout ce qui s'est pris dans la gueule. Oh là là, on se fait démonter. Dans le jeu, la main céleste au niveau 3, elle est modifiée. Ouais, je sais, mais la main magique, je kiffe vraiment. Après, c'est plus puissant aussi, mais bon, j'essaierai de l'améliorer niveau 3. Vous inquiétez pas, on fera un live XP aussi. Mais en une main, MDR. Le goal, il a arrêté la balle d'une main, ouais. Enfin, c'était chaud. Même avec Axel à nos côtés, nous n'avons pas été en mesure d'inscrire le moindre but. Tous les joueurs s'étaient effondrés les uns après les autres. Nous étions à bout, ça en était fini. Nous avions perdu. Ah, là, je crois qu'on peut le dire, hein. C'est impossible. C'est terminé, le temps est venu de faire vos adieux au collège Umbrella. Non, non, je vous laisserai pas faire. Mais t'es qui toi, Pélo? Tu es qui? Hors de ma vue, ver de terre. Attends. Ah, Marc. Non mais Marc, ça sert à rien là, t'es mort limite. Chercher une blague là où il n'y en a pas, telle est la question. Légendaire qui parlons avec ses blagues, comme d'habitude. En tout cas, tu nous fais kiffer. Merci d'être passé, légendaire. C'est un aimant à ballon. Axel, le porc épique. Vas-y. Ah, mais là, on se fait démonter, quoi. Oh. Attends, ils ont tapé Marc ou le collège? Non, arrêtez, je vous en prie. Il me semble que vous avez un proverbe adapté à la situation. Chien qui aboie ne mord pas. Oh, le bâtard. On veut voir, on en a marre de la censure. On veut voir, bordel. C'est quoi cette censure? Non, non, non. Grand-père, je suis pas parvenu à les vaincre. Oh, la censure, bordel. Oh. Ah ouais, une transition, on passe directement au massacre, à l'hôpital. Axel Savage, c'est Super Saiyan. Le bâtard. Bien vu celle-là. T'inquiète pas, je me suis mis une alarme pour toi, frérot. Merci. T'inquiète pas, Marc, ce sont que quelques égratignures. Ouais, t'as une béquille, frère. Ouais, on est dans cet état, c'est pas parce qu'on s'est suffisamment entraîné. C'est vrai, allez, du nerf, on retourne à l'entraînement, Marc. Non, mais tu sers à rien, toi. Toi, au pire, on ne veut pas. Nathan, il est pas blessé, non? Il est pas blessé. Steve, ok, pourquoi pas. Mais toi, Timmy. Arrête, Tim, ne force pas. Désolé, capitaine, c'est tellement frustrant. Si j'avais été plus fort, on n'aurait pas perdu contre la tempête des Gémeaux. Non, 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 si t'avais été pas là, tout court, on n'aurait pas perdu contre la tempête des Gémeaux. Je comprends ce que tu ressens, mais il faut te donner le temps de te récupérer. Marc, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de ces extraterrestres pour vous. Marc, il s'est remotivé ses troupes, même si là, on a perdu beaucoup de joueurs, on n'a plus personne dans l'équipe. Axel avec les cheveux bleus, tornade de glace. Ah, égal Kozumaru aussi. Vous avez remarqué que l'AS Academy n'a même pas eu besoin d'utiliser de techniques spéciales contre nous. Ah ouais, c'est quand même désolant. Hein. Imaginez s'ils l'avaient fait. Si seulement on était parvenu à les vaincre, le collège Umbrella ne serait pas en ruine à l'heure qu'il est. Et bien ça ne serait trouvé sur un lit d'hôpital. Tu as parfaitement raison. Nelly. Mais il n'y a pas que le collège Umbrella. En ce moment même, la Luce Academy est en train de détruire tous les collèges du pays. Ah oui, ça arrête pas. Hein. Vous croyez vraiment que c'est le moment de penser vos plaies? Il faut vous relever et empêcher la Luce Academy d'agir sur le champ. C'est à vous que cette mission incombe. C'est la mission des champions en titre du football frontière. Moi je dis Nelly capitaine. Nelly capitaine de l'équipe. Acharnement de Rems 1, Timmy 0. Timmy, c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur, on va dire. Salut à toi, Dark Céleste.
le daron de Steve, comme il y a plus de Steve, il est dans l'autre cas. Comment ça? Le daron de Steve, comme il y a plus Steve, il est dans l'autre cas. J'ai pas compris. Allez, préparons-nous. Il faut... Ah, Marc, sois raisonnable, tu es blessé comme tout le monde. Mais il faut qu'on parte. Ah, Marc, il veut déjà se barrer. En effet, vous devez partir. Monsieur Hellman, il faut que vous rendiez au plus vite sur le terrain du collège Raymond. Sonny vous attend. C'est pour combien de temps qu'on est en live, les amis? 1 heure, en vrai, on a le temps encore, on a une demi-heure encore. Mon père nous attend sur le terrain, de quoi peut-il bien s'agir? Peut-être un entraînement intensif en vue de notre prochain match contre la US Academy. En vrai, le début de ce jeu, mon gars, il est incroyable. Vraiment, ça te hype de fou. Qu'est-ce que tu peux... non, c'est quoi? Est-ce que tu peux passer 10 secondes sans passer au football, toi? Je n'aime pas rester ici les bras croisés. Allons sur le terrain, Marc. Bon, bah, rip, hein. Rip nos camarades de Raymond. On va chercher les coffres, comme d'hab. 10 points d'amitié, c'est pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des coffres? Non, dommage. Putain, mais il y en a plein dans ce jeu. Dans ce jeu, il y en a beaucoup trop. On va monter à l'étage, on va fouiller des coffres encore. Je crois, il y a beaucoup de joueurs, ils sont passés à cet hôpital dans Inazuma Eleven en vrai. Ah, Julia! Qu'est-ce qui est arrivé à Steve et aux autres? J'espère que c'est pas trop grave. Bah, ils sont comme toi, quoi, maintenant. Va descendre, Julia va bien, tant mieux. Ils ont retiré les joueurs qui servent à rien. C'est ça. C'est exactement ça, en plus. Et qu'est-ce qu'il nous reste dans l'équipe, juste pour petit test? Ah oui, oui. Et non, ils ont pas retiré Willy, tu vois. Willy, ils auraient dû le retirer, putain. Bah, tant pis, on garde Willy, dommage. Un coffre, yes. Un bracelet sale, et c'est, je crois que c'est pas ouf, hein. Vraiment, c'est un des pires bracelets, mais bon. On va quand même le mettre à quelqu'un. Kevin, allez, un peu plus de hargne pour toi. Donc la recette pour faire de Axel un Saiyan, prenez un mec aux cheveux bleu, rouge, blond et vous mixez avec Axel. C'est tellement ça. En plus, ça me fait penser à Faye. Faye, il a eu les cheveux rouges et les cheveux bleus de Inazuma Eleven. C'est super Saiyan en vrai. Ok, va pour la boulette de riz, mais on a que ça, que des boulettes de riz et du lait. On a que de la bouffe. Merde, on a plus personne dans l'équipe par contre. Bon, on va aller à la gare. On peut toujours pas y aller, merde. Bon bah pas grave, on va au terrain de foot de Raymond. T'es sur Twitch aussi, bro? Ouais, j'ai une chaîne Twitch, bah elle est juste là sur l'overlay. N'hésitez pas à m'ajouter, on va live demain d'ailleurs sur Twitch, les amis. Sur Pokémon Platine Nuzlocke. On va continuer bien sûr. Monsieur Hellman, monsieur le directeur, nous... Je sais, Marc, vous n'avez aucune chance de vaincre la Lice Academy, vous n'étiez pas encore prêt. Personne ne l'était, en fait, aucune équipe n'est actuellement de taille à les affronter. Que va-t-on faire, père? Non, même lui, il sait pas, quoi. On ne peut pas rester les bras croisés. En effet, il n'y a qu'une seule chose à faire. Réunir les meilleurs footballeurs pour former une équipe de choc capable de vaincre la Lice Academy. Merci du follow, je suis désolé pour les follow dans cet épisode, je sais pas pourquoi je ne les vois pas. J'arrangerai ça pour le prochain épisode. Franchement, je sais pas pourquoi je ne vois pas les follow. Pour le prochain épisode, j'arrangerai ça, les amis. Mais en tout cas, merci du follow à celui qui s'est abonné. Réunir les meilleurs footballeurs pour former une équipe de choc capable de vaincre la Lice Academy. Une équipe de choc? Écoutez-moi tout, j'aimerais vous révéler le projet sur lequel j'ai travaillé pendant tout ce temps. Initialement, mon objectif était de contrecarrer les plans machiavéliques de Red Arc. Mais au vu des circonstances, il est nécessaire de vous donner les moyens de vaincre la Lice Academy lors de notre voyage. Un voyage? De quoi parlez-vous, père? Contemplez cette merveille. Ah oui, c'est vrai. Putain, j'ai rien à dire. Oh, la musique. Ah, ils ont collé à Raymond. Ils ont... Oh, c'est quoi leur collège, oh? Ils ont une base souterraine, quoi. Le sol est en train de s'ouvrir. Non mais, qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ce bijou. Pépite, technologie. Merci du follow, les amis. Pour le prochain épisode, j'arrangerai ça. Ça va devenir notre nouveau QG.
Il rigole sans raison, Marc Evanson. T'aimerais aller à Raymond. Ah ouais, ouais, de ouf. Hein. Genre, le collège Raymond, moi j'y serai allé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Voici la caravane Inazuma. Et ça vous permettra, elle vous permettra de voyager à travers tous les pays à la recherche des meilleurs joueurs de football. Bon, comme ça, elle est un peu pixelisée, tu vois. Enfin, on dirait un petit cube, mais bon. C'était bien sûr 2009 ou 2012, je sais plus. Mais c'est vieux, quoi. La raison pour laquelle je t'ai fait venir, Marc, tout va bien. Tu vois bien ce qu'elle était pas le moment de se morfondre à l'hôpital. Waouh, faire un voyage pour créer l'équipe de foot, la voir qui soit. Génial, allez, tout le monde en route. Attends, mais on est que 7. Calme-toi. Attendez une seconde, il faudrait pas au moins un adulte pour conduire la caravane. Bonne remarque. Le seul adulte de l'équipe, c'est notre entraîneur, monsieur Inman, mais. Il y a monsieur vétéran. T'inquiète, il est là le frérot. Tu sais, Rem, dans le jeu, Willy apprend la foudre. Non, c'est pas vrai. Arrêtez les trolls. Oui, je me suis dit aussi. J'ai encore un peu de mal, mais je suis tout à fait en mesure de conduire. Allez, en route. Attends, le mec, il nous dit qu'il est aveugle, qu'il n'arrive pas à conduire. Il va quand même conduire. Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites une tête. Marc, c'est vraiment qu'on est de taille. S Academy a des années-lumière de ce qu'on a affronté jusqu'à présent. Même de la Royal Academy et du Collège Zeus. Qu'est-ce qui ne va pas, les gars? On n'a jamais renoncé, c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui. Monsieur Elman, dites-leur, si on se bat ensemble, on pourra déplacer des montagnes. Marc, il faut que je te dise quelque chose. Je ne ferai pas ce voyage avec vous. Parce que je suis de la US Academy. Quoi? Ce ne serait la folie de lancer aveuglément dans une bataille contre un ennemi dont nous ne savons rien. Monsieur Elman nous sera bien plus utile en enquêtant ici pour découvrir ce qui se cache derrière la US Academy. C'est le pompon, il faut qu'on affronte d'ignobles extraterrestres, on n'a même pas d'entraîneur pour vous accompagner. Il y a beaucoup de dialogues quand même hein, dans le début d'aventure. Hein. Non, Faye a les cheveux roses et pas rouges. Ah oui, rose, ouais, bon, à quelque chose près. On va dire c'est Black Goku, Faye. Il a raison, sans entraîneur pour nous guider, à quoi bon former l'équipe d'élite? Vous êtes pitoyable. En voilà une équipe. Attends, mais c'est qui? Attends, je crois savoir qui c'est. Elle va redescendre tout de suite, hein. Monsieur le directeur, c'est ça la meilleure équipe du pays. Oui, ça doit être elle. Voici elle. Il y a son OST. Aucune idée. Déjà qu'il me tue. Mais qui êtes-vous? Dorénavant, je serai votre nouvelle entraîneuse. Je m'appelle Lina Schiller. Non. Marc, il est pas bien. Il a vu une femme, il a fait... Oh, mes pères! Oh, les vénères! Vraiment impressionnante! Il est vénère et Célia, elle a une voix bizarre. C'est quoi cette voix? Ouah, Marc, il est choqué. Est-ce que vous aimez bien cette coach? J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimez bien cette entraîneuse, les amis? Sans trop spoiler, dites-nous juste si vous aimez cette entraîneuse ou pas. Ou qui est votre entraîneur préféré? Perso, moi, c'est Travis. Percival Travis. Vous êtes vraiment la remplaçante de Monsieur Hillman. Je comprends pourquoi Judy a dit ça. Judy, il a vu une famille. Oh, le macho, quoi. Monsieur le directeur, vous êtes bien sûr qu'on puisse confier l'avenir de la planète à ses enfants? Ils ont déjà perdu contre la Lys Academy. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils se sont débrouillés au mieux la prochaine fois? Ça alors, elle ne manque pas de toupet. Nelly, elle l'aime pas. Hein. La prochaine fois, c'est nous qui gagnerons notre défaite. N'a fait que renforcer notre détermination. Me voilà rassuré, certains de vos joueurs sont blessés, n'est-ce pas? C'est vrai, ils sont encore à l'hôpital. Dans ce cas, il est inutile de prendre la route dès maintenant. Ah bah si, on s'en fout, ils sont pas importants, ils sont nuls. D'abord, il va falloir trouver des remplaçants. Bah ça va pas être compliqué. Il y a 11 joueurs dans l'équipe de foot, on est 8. 11 moins 8, je retiens 1. Ce qui fait. Mon préféré, c'est Hillman. Je la trouve cool, Lina. Ça va, il y a pire. Ouais, c'est vrai. Elle a pas dit c'est les meilleurs de l'équipe, mais du pays. Mais j'avoue avec Willy. Ah oui, non, mais Willy, il faut l'exclure de l'équipe en fait. Je sais même pas si on peut l'exclure. Sur le 1, on pouvait l'exclure. On a 3 blessés, il va donc falloir recruter 3 nouveaux joueurs. Oui, mais vu l'état de notre collège, ça ne va pas être de la tarte. Et c'est quoi ce regard? Je dis une bêtise. Vous êtes des incapables, il a fallu intervenir pour vous faire entrer dans le collège Umbrella et maintenant.
nous faire entrer. Je vois, c'était donc vous qui nous avez indiqué comment accéder au collège Umbrella. Je présume que c'est également vous qui avez averti mon père de la prochaine cible de la Luce Academy. C'est exact. À présent, il y a encore une chose que vous devez faire. Vous devez retourner au collège Umbrella. Oh non. On va... Oh non. Oh, je sens la connerie. Oh, je sens qu'elle va nous dire de recruter des joueurs d'Umbrella. Oh non, 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 non. Bobby Chira et Eric. Oui, yes, ça c'est bon, mais pas Umbrella, quoi. Sérieusement, tu te fous de ma gueule. Nous traînons pas la deuxième phase du plan à la Luce Academy, peut-être déjà en cours d'exécution. Il faut nous préparer au mieux pour les affronter. Je crois que sur ce point, on est tous d'accord. Marc, je pars devant. Je ne peux pas partir sans dire au revoir à Julia. Je ne risque pas de la revoir de si tôt. Oui, c'est dommage que tu t'en ailles alors qu'elle vient juste de se réveiller. Je suis sûr qu'elle comprendra. On se voit tout à l'heure. Ça marche. Bon, Axel qui se barre encore une fois. Mais reste avec nous, Axel. Bordel. Retourne à la gare. Il y a Eric et Bobby. On va y aller tout de suite. Hein, t'inquiète pas. Par contre, ce qui va me faire chier, c'est les Umbrella, en fait. Est-ce qu'on est obligé de recruter les Umbrella? Dites-moi. J'ai vraiment pas envie. Oui, oui, vraiment. D'accord, prenez soin de vous. Qui c'était, Sylvia? C'était Bobby et Eric. Ils n'ont pas pu empêcher la Luce Academy de détruire Kirkwood. Ils étaient vraiment contrariés de ne pas avoir pu aider leurs amis là-bas. Ils sont allés à Kirkwood pour revoir Malcolm et leur ancien camarade de classe des États-Unis, c'est bien ça? De toute façon, je suis sûr qu'ils ont fait leur possible. J'imagine dans l'état dans lequel ils doivent être. Oui. Marc, je m'inquiète pour eux. Ils ont dit qu'ils étaient à la gare. Est-ce que tu pourrais y aller? Mais pas de soucis, Sylvia. Pas de soucis, on va y aller avec plaisir. Ah, enfin, on débloque la gare Inazuma. Il y a beaucoup plus de lieux aussi sur ce jeu que comparé au 1. T'es en double screen ou en téléphone le chat? Je fais du double screen. J'ai du double screen en écran. Il y a le chat qui est avec mon logiciel de record qui est côté gauche et le jeu à droite. Voilà. Peut-être que je ferai une vidéo setup un jour, les gars, hein, si ça vous choque. Alors, à la gare, on va recruter les deux frérots. Ah, ils sont là. Des poteaux. J'avais ragé quand j'ai dû recruter des joueurs d'Umbrella. Oh, on est obligé. Oh non. Marc. On va recruter des merdes, putain. Marc, c'est vrai que vous avez été battu par la Luce Academy? Oui. Kirkwood s'est fait battre. Quand on y allait, le collège était plus cachant de ruines. Je vois. Je n'arrive pas à m'y faire, seulement on était arrivé à temps. Non, mais t'aurais rien fait, Bobby. Grève pas. Hein. Rien ne dit qu'on aurait été en mesure de les battre si on avait été présent. Mais pourquoi tu dis ça? Eric, par contre, les gars, je vous le dis, c'est un putain de power-up. Et Bobby aussi. Hein. Les extraterrestres, Bobby, on sait rien à propos de la Luce Academy. Oh, il y a un coffre à droite. Moi, je regarde le coffre, là. Je louche sur le coffre. Ça me rend vert de ne pas les avoir réussi et arrêter les martiens. Ces martiens à deux balles. Je crois que Bobby, il a pas vu encore. Il les a pas affrontés encore, je pense. Je me vengerai d'eux pour Malcolm. On s'était promis qu'on s'affronterait de nouveau lors du football frontière. Je tiendrai ma parole quoi qu'il arrive. Ces extraterrestres n'y changeront rien. Lors des règlements de compte a sonné et le football a trop d'importance à mes yeux pour tout laisser tomber. Eric. Marc, tu peux compter sur nous pour vaincre la Luce Academy. Super, c'est cool de vous avoir dans l'équipe. Je suis sûr que Sylvia n'a pas l'intention de rester les bras croisés pour t'encourager de loin. Ouais, à mon avis, vous avez encore quelque chose à régler, pas vrai? Comment ça? Et dis donc, désolé, ok, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour l'instant, il y a beaucoup de dialogues un petit peu inutiles. Tu pourrais exclure les genres d'Umbrella. Ouais, au pire, on les exclura par la suite. Allez, venez. Marc, ça c'est un dialogue inutile, ça, pourquoi ils sont pas venus tout de suite? Ok, Eric, c'est fait. Ah, bah avec plaisir, Eric. Niveau 1, par contre, bon, on l'expera plus tard. Ok, donc deux bons joueurs qui viennent de rejoindre la team. Il nous manque... Combien de joueurs il nous manque? Un ou deux? Oh mais bordel, laissez-moi jouer. Merci d'avoir permis à ces deux-là de rejoindre l'équipe, Marc. Ils m'ont demandé de transmettre ça. Non mais ça c'est nul. Ça c'est nul, Sylvia. Tu aurais pu le garder pour toi, sérieusement. Donne-nous le phénix, j'en sais rien. Je sais pas, moi. Bon, c'est pas grave. Encore un joueur, encore un joueur. Et il va falloir qu'on recrute un Umbrella, ça veut dire. Et à mon avis, ça va être le Edmond, là, le mec. On peut pas partir à la gare. Il y a pas des petits coffres? Non. Peut-être en rasant les murs. Je sais pas si on peut... Non.
peut-être pas. Oh non, les joueurs de Killerwood sont blessés. Ah, mais les joueurs de Killerwood sont... Ouais, en vrai, il y a des joueurs intéressants. Je préfère les joueurs de Killerwood que Umbrella. Mais on pourra aller peut-être les recruter après. En tout cas, on va recruter des joueurs sur ce jeu. Moi, je vais me faire une belle équipe comme sur le 1. Je vais pas rester avec mon équipe que j'ai actuellement. Alors, les autres équipes, il y en a des tas. The Shuriken, Occultaria, Cybertech, Wild. Mais ce serait cheaté de les recruter dès le début. Donc voilà. On peut pas, de toute façon, le jeu n'a pas fait en sorte. Oh, la texture de Kevin quand je le fais passer ici, regardez. Oh, what the fuck. Bon, je me suis un peu amusé avec eux. Allez, temps du dragon, il va falloir qu'on fasse XP nos techniques. Parce que maintenant, les techniques peuvent monter en niveau. Et ça, c'est cool. Parce que sur le 1, c'était un peu chiant. On avait toujours le niveau 1. Oh, le gardien, il a même pas existé. Continuez comme ça. Les musiques changent des défis. Je préfère les musiques du 2 perso. Bon, on va se barrer de la gare. Il nous reste ouais, allez, un quart d'heure encore de live. C'était où qui nous avait dit Umbrella? Au moins, c'est mieux que Willy, les joueurs de Umbrella. C'est déjà un peu mieux, mais tu vois, pas beaucoup. Hein. Un cran au-dessus, on va dire. Oh là 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 là, ils sont mis en ligne. Ils sont mis en ligne pour moi, quoi. On dirait ils vont chanter leur hymne national, tu sais. J'ai loupé quoi? T'as loupé le... Bah, je sais pas quand t'es parti, mais en tout cas, on a fait le match contre la Luce Academy. On a recruté Eric et Bobby dans la team. Et voilà, c'est à peu près tout peut-être. La caravane Inazuma, pas mal de cinématiques. Oh merde, pourquoi il a pas tiré? Oh, du sang, mais après c'est leur goal. Je crois que c'est chaud de dribbler un goal sur Inazuma. Mais Bobby et Eric dans la team pour upgrade. Pas bête. Juste info, on peut affronter les anciennes équipes, mais qu'à une mi-temps, pas deux. Ah bon? Genre les Zeus c'est tout? Allez, vole-les. Mes Bobby et Eric, ouais, ok. Oh putain, j'ai encore mettre un poteau, sérieux? Ah non, ok, j'ai cru. Quel but! Putain, faudra travailler la précision de mes joueurs parce qu'ils sont limite à chaque fois. Hein. Oh, le ballon est passé à côté. Il est passé limite à côté, quoi. Ok, je prends qui les amis? Dites-moi qui voulait que je prenne de ces nuls. On va sauvegarder quand même. Dites-moi qui voulait que je prenne, si j'ai le choix en tout cas. Le moins pire d'entre eux si possible. Le mec à lunettes, c'est mort hein, à droite, hein, je pense qu'il est nul. J'ai rien contre les mecs à lunettes, hein, la preuve Jude il est super cheaté, ne vous inquiétez pas. Morphreild. Bah non, quand tu les rencontres, c'est... une mi-temps. Mais quand tu vas à la caravane, tu les as. C'est dans le 2. Celui du milieu. Lui du milieu. Vous voulez que je recrute celui du milieu? Mais c'est Edmond Morphreild. Ok, bah peut-être si on peut en recruter deux. Morphreild, je sais pas c'est lequel. Le premier, le deuxième. Morphreild ou Edmond? Le premier. Bon, on va recruter Edmond. Même si j'ai clairement pas envie. Bon, on va recruter deux, on va voir. Fais gaffe, j'ai des lunettes. Non, mais. Je rigolais avec les mecs à lunettes, vous inquiétez pas. C'est juste que, voilà, le mec à droite, c'est une merde. J'avais affronté, je m'en rappelle. Bon, ça va, le pire est passé. Le plus dur, c'est d'accepter d'avoir perdu contre ces scélérats de l'espace. Ok, allez, viens, Edmond. On s'en fout de ton dialogue. Viens dans l'équipe. Oh, mais il parle trop pour un random. Hein. Oh non! Tu peux recruter tous les joueurs. On peut recruter que un. Les amis, oh, j'aurais peut-être pas dû prendre Edmond. Bon, bah tant pis, on prend Edmond. Allez. Non, non, je rigole. Allez, on va le prendre. Oh putain, je croyais qu'on pouvait recruter tous les joueurs. C'est obligé de recruter Edmond. Ah, peut-être que c'était obligé, je sais pas. C'est leur capitaine après. Niveau 1, il a des techniques ou pas? Ok, il a une technique au moins. C'est une technique. En bas à droite. Comment ça en bas à droite? J'aimerais que chacun d'entre vous dise au revoir à sa famille. Au revoir, ôtez-moi d'un doute, on va dire au revoir à notre famille, pas vrai? Commence pas à toi. Pendant quelqu'un à ce niveau-là, on bat la Luce Academy, on fait ça une fois de retour à la maison. La crue, ça allait être comme acheter une baguette de pain, ça allait être vite fait, réglé en deux minutes, quoi. Mark Evans. Tu passes pas chez toi, Jude? Mais il a pas de chez lui, Jude. Ah si, il a peut-être une maison, je sais plus.
Ça va aller chez Sharp, on doit... Il a un foyer quand même. Il c'est pas un SDF, Jude. Elle est prête à partir tout instant en abandonnant tout derrière soi. Mais je crois qu'il a une famille, genre c'est des riches et tout. C'est une famille adoptive. Pas du tout, c'est pas obligé. Bon, allez. Allez, Sylvia, merci. Ok, on va faire quoi là? Ah, ok. En bas à droite, il y avait un joueur trop nul, mais il a une technique de tir. Pas trop nul. Ils nous ont TP à la maison de Marc sans que je puisse rien faire. Rem, t'aimes bien Brawl Stars? C'est pas mon jeu que je préfère, honnêtement. Maman, comme sais-tu que tu pars en voyage? Oh, je te connais depuis le temps. Je suis quand même ta maman. Lorsque des extraterrestres sont apparus, nous sommes doués que tu resteras jamais douté. Que tu ne resteras jamais dans... Oh là là, j'arrive plus à faire, les gars. Au bout d'une heure vingt de live, le petit Rem s'y commence à saturer. C'est pour ça qu'il faut boire de l'eau, les amis. L'eau, c'est la vie. Lorsque ces extraterrestres sont apparus, nous nous sommes doutés que tu ne resterais pas dans ta chambre les bras croisés. Alors nous comptons sur toi pour donner une bonne leçon à ces affreux extraterrestres. Si tu rentres avant d'y arriver, on ne te laissera même pas passer le seuil de ta porte. Oh, pour ça, ne t'inquiète pas, maman. Merci, papa. Bon, c'est pas tout, je dois y aller. Mark Evans, oh, franchement, il s'en bat les couilles, ses parents. C'est abusé. Hashtag joue de l'FDF. Oh, j'oubliais. La bonne époque de Clash Royale et de Clash of Clans. Ah là là. Ah ouais, avant je pensais que ça n'avait pas, j'ai joué vraiment beaucoup à Clash Royale. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo où je suis passé à la télévision française pour si vous voulez vraiment comprendre quel niveau j'avais sur Clash Royale à l'époque. C'était une belle époque. Grand-père, je vais vaincre la Luce Academy. Je ne ferai pas à ma maison, il en va de l'avenir du football. Alors garde un œil sur toute l'équipe. Bon, cette fois, ça y est, au revoir. Mark Evans, il se barre comme ça, quoi. Il est genre, c'est un collégien, hein. Mais bon. Après, ils savent que... Je pense que ses parents, ils savent qu'il est encadré par Lina Schiller et tout. Non, je sais pas, peut-être. Il a vraiment un mental d'acier. Je savais qu'il partirait un jour, mais j'étais loin de me douter que ça arriverait aussi vite. Mon père a beaucoup voyagé dans le pays lorsqu'il jouait au football. C'est pas, il jouait beaucoup. C'était un monstre, je corrige MDR. Merci à toi, Legender. Donc, pour ceux qui savent toujours pas, Legender, c'était un pote à moi. Et il sait que je joue beaucoup. Enfin, je me suis entraîné avec lui souvent. Ça ressemble avec Marc et Fabre et frappante. Je t'en prie, papa, où que tu sois, aide-le à surmonter les épreuves qui l'attendent. En tout cas, Légendaire, si vous voulez le suivre, c'est un monstre sur Fortnite. Je vous conseille de le suivre. C'est un monstre, littéralement, je vous le dis. Bonjour, il a une team, c'est la Azer eSport. Voilà, petite pub pour toi, Légendaire. Bonjour tout le monde, vous avez pu parler avec vos familles. Ouais. Ça avait l'air d'aller, j'ai eu le droit à une petite tape dans le dos, mais je me suis retrouvé sur le palier, ça m'a fait chaud au cœur. Et le gars, j'espère que vous leur ferez leur fête à ces extraterrestres. Ah oui, Zach! Alors pour lui, pour ceux qui savent pas, je pense que ça se voit, c'est le frère de Jack, voilà. Ils ont la même dégaine presque. Ils ont, et lui, sauf que lui, il a un cône sur la tête. Ils ont pas intérêt à chercher des noises à mon frangin, le plus redoutable des joueurs du collège Raymond. Ah oui, c'est vrai qu'il pense que son frère, en fait, c'est le meilleur joueur de Raymond, littéralement. T'inquiète, Zach, je m'en occupe. Ouais, Zach, mets-leur la pâtée. Tu feras des vidéos sur Inazuma Eleven SD. Si je peux me le permettre, j'en ferai. Mais pour l'instant, mon téléphone n'a pas la qualité. Enfin, je peux pas trop avec mon téléphone. Il est pas assez bien. Allez, Marc, on retourne au collège. Axel est sûrement revenu de l'hôpital maintenant. Ah, d'accord, allons chercher Axel et préparons-nous à partir. Vous ne paierez rien pour attendre la Luce Academy. Vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre. Bien parlé, Mark Evans. Ouais, ils sont trop chauds. L'équipe est au complète. À retourner à Raymond. Est au complète ou au complet? On dit au complète, non? Alors, au complète, je sais pas. Mais en tout cas, on a quelques joueurs. On a 11 joueurs pile poil, non? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, on a que 10 joueurs. 1, 2, 3, 4, 5. On a que 10 joueurs, les amis. C'est quoi si on fait notre formation? Ah, mais non, mais elle est pas au complète, l'équipe. Qu'est-ce que tu me chies? Ah, non, mais elle est pas du tout au complète, l'équipe. Hein. En mode, je vais mettre Bobby en défense. Merde. Bon, l'équipe, ça ressemble à rien du tout. Mais je pense, les amis, qu'on va s'arrêter là. On est à peu près 1h25 de live. J'espère que ça vous aura plu, les amis. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé le live. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un live sur Inazuma Eleven 2, etc. On fera le jeu uniquement en live, comme vous avez voté sur mon sondage, etc. Sur ce CTRM, j'espère que le live vous aura plu, les gars. Il manque juste Axel, ouais, c'est ça.
Bon les gars, je vais vous laisser là. J'espère que le live vous aura plu. Et on se retrouvera demain. N'hésitez pas à venir sur mon Twitch pour un live Inazuma, Let's Play Pokémon Platine sur Twitch à 18h les gars. Je vous attends nombreux. Merci à Ahmed Ridaoui d'avoir rejoint la team. Putain là ça y est, je vois les alertes sub maintenant les gars. À 18h Legendaire demain sur Twitch. Comment ça se fait? Je sais pas, je trouverai un moyen de regarder les alertes sub. Kevin attaquant, bye les gens, salut tout le monde, c'était Rems, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.